Ici, on parle très fort. Je m'appelle Depuis Yorokor, Jean Jaurès Edrive. Comment? Depuis Yorokor, Jean Jaurès Edrive. Oui, qu'est-ce que tu as? Je suis sorcier. Ça veut dire quoi? La nuit, je sors de mon corps. Tu sors? Tu fais comment? Je sors de mon corps pour aller plus du mal aux autres. Moi, mal aux autres. Qui t'a donné ça? C'est ma grand-mère. Comment elle t'a donné? On est parti au funérailles. Elle est partie danser et puis elle m'a laissé te coucher dans ma chambre. Donc, la nuit, quand elle dormait... Ils ont fini à aimer danser. Elle est partie danser, elle m'a laissé dans la maison. Donc, où elle était partie danser, elle était partie danser. Donc, la nuit, elle m'a levé pour me donner une étude pour manger. La viande, c'était la viande des moutons. Elle a transformé son viande de l'homme et puis elle mangeait. Après, elle est venue me chercher, on est parti. Quand on est parti, elle m'a donné sang de l'homme. Il a bu. Elle a lavé mon visage dans la calebasse. Maintenant, elle dit ma première mission, de tuer son papa, mon arrière-grand-père. Ça, la nuit, je suis sorti de mon corps. Il y avait mon chapelet noir. Le chapelet noir, il prend pour. Ça va quoi? Chapelet noir. C'est un chapelet noir. C'est le chapelet noir, il prend pour envoyer mes choses. Hein? C'est chacun le bon pour avoir mes pouvoirs. Tes pouvoirs? Comment tu fais? Pour pas m'embêter. Tu dis quoi embêter? Je dis que Junior, mon bloc a gagné, Junior, mon bloc a gagné. Vous êtes Zabia. C'est ça? Le carton Zabia. De. Logobia. Ok. Vas-y, reprends le bété. Je dis Junior. Pas de fort. Gougnon, Agua, Gougnon, ça dit son embêté. Gougnon, le camembert, on va pas y gagner, pas bacano. Ça dit que tu es juste sorcier, c'est toi qui m'envoies, c'est ça? Bana pouvoir tout y est sous gagner, mais quand, et comment on est bas? Donne-moi le pouvoir, j'allais tuer telle personne. Puis c'est venu. Je le prends, et puis comment tu fais? Tu as le chapelet en main, c'est ça? Qui t'a donné le chapelet? C'est ma grand-mère. Oui, elle t'a donné le chapelet. Quand elle t'a initié, elle t'a donné le chapelet. Et qu'est-ce que tu fais le chapelet? Le chapelet, il prend pour appeler, mais... Prends pouvoir. Quand tu veux tuer quelqu'un, tu demandes le pouvoir en prenant le chapelet. Allons-y, tu dis quoi? Je suis sorcier, Gougnon le Kassadi, je suis sorcier. C'est toi qui m'envoies pour aller tuer telle personne. Donne-moi le pouvoir d'aller tuer telle personne. C'est ça, non? Ok. Ça vient. Ça vient comment? Expliquer. Le pouvoir, là, vient comment? Ça vient rentrer dans moi. Ça vient rentrer en toi. Puis tu fais quoi? On prend pour tuer. Oui, tuer qui? Tuer le vieux. Le vieux, là. Comment tu l'as tué? Piqué. Tu l'as piqué. Parle fort, parle bien. Je l'ai piqué. Comment? Avec un couteau. Avec un couteau. Tu as fait quoi encore? Oui, il a transformé en poulet. Je l'ai mangé. Le grand-père. Il a transformé en poulet. Il a braisé. Tu l'as braisé. Tu as fait quoi encore? Et puis, ma grand-mère, elle a tué le papa et la maman de mon grand-père. Non, elle a. Comment toi tu commences par les vieilles personnes? Oui, on va. Donc, elle va pas aller. On était dans la même maison, donc à la tuer, c'était facile. Je suis sorti de mon corps la nuit pour aller la tuer. La piquer avec couteau. Maintenant, après, ils m'ont donné la parole. Quand il y a un petit sujet, c'est moi qui parle aussi. Après, encore, il m'a dit d'aller tuer son fils. Il a gagné, il s'appelle Aubin. Donc, je suis sorti de mon corps, donc pour m'échapper, mais je suis transformé en hibou pour partir. Je suis parti, arrivé devant le monsieur, l'éclat boit ses amis. Et puis, je suis rentré dans le corps de son ami. Alors, le corps de son ami? Pas son dos. Son ami, il était là, boit. Donc, pour ne pas qu'on puisse savoir que c'est moi, il est empoisonné. Si quand il a le corps de son ami. Vous avez compris, hein? Il avait le corps de son ami, oui. Pour empoisonner ce qu'il allait boire. Oui. La boisson.
Dans ce sang, il est empoisonné et puis il est mort. Vous avez compris? Je vous enseignais ça, j'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai dit, on peut même utiliser quelqu'un de très proche, un sorcier, puis entrer en lui pour atteindre quelque chose, la mort. Voilà. Je vous enseignais hier la prudence. On y va? Donc, quand il a fini, comme il avait l'argent, il était sur mon blé pour le manger. Ah oui. Quand c'est les grandes personnes qui ont le blé, c'est peu. Le vieux, c'est un poulet. C'est un moisi. Un petit coq sec. Elle m'a envoyé encore d'aller tuer deux enfants, deux jumeaux. Ils venaient de mettre, alors j'avais redonné moi. Je suis parti la tuer. Et là, j'ai tout fait. Ils sont sortis à l'hôpital là-bas. Moi, je suis sorti de mon corps. On me voit, puis c'est rentré dans l'hôpital. Puis ils serré le cou. Donc tous ces employés pour eux, puis ils sont morts. Les deux, il a totalement poulet pour manger. Un poulet. Et puis après encore, ils m'ont envoyé d'aller tuer un vieux, ça pour pas obliger. Le vieux, la nuit, je suis sorti. Pas fort. La nuit, je suis sorti de mon corps pour aller le piquer un couteau. Puis il a transformé en mouton pour le manger. Et puis après encore, il a tué un vieux, il partait au champ. Sur la route du champ, quand il partait, mais si tout le monde c'est bon, il vipère, il est piqué. Il est mort, il a transformé en poulet. Et un vieux encore au village, qui s'appelle Michel. Parle fort. Et un vieux du village, qui s'appelle Michel. Mm-hmm. On parle de la même famille. Il est là à manger vers 18h. Sa femme est là, lui donner manger. Et si il retourne au corps de sa femme pour l'empoisonner, il ne tue qu'il mangeait. Parce que c'est elle qui prenait le cuillère pour mettre dans sa bouche. Ah, ok. Elle faisait comment? Il était malade. Mm-hmm. Il était malade, le vieux. Mm-hmm. Il doit s'énerver. Pourquoi elle prend le cuillère pour donner la nourriture à son mari? J'ai empoisonné en même temps que la tuer. Ok. Là, quand ils ont fait ça, après ils sont venus me chercher pour aller à mon Abidjan. Mm-hmm. C'est mon nom. Là aussi, il y a personne qui savait que je suis sorcier. Là, quand je suis parti, la première des choses que j'ai fait d'abord, mon nom, quand il m'a donné l'argent, il est parti au travail, c'est un jeune. Son argent, il a pris, c'est pas tout mettre dans la canarie. Puis il est parlé. Mm-hmm. Et tout son argent qu'il va partir pour mon travail, ça n'a pas venu ici. Ça va venir dans le canarie. Mm-hmm. Allons-y. Donc, quand fini de faire ça, je suis parti encore. Si sa fille, elle s'appelle Anna, il a pris son intérêt. Donc, personne ne savait que tu étais sorti dans la maison. Mmh. Mais toi, tu opérais. Mmh. Tu opérais dans la maison, il t'a donné l'argent. Mmh. Et tu as récupéré l'argent, tu as mis dans le canari. Mmh. Allons-y. Je suis parti sa fille, elle s'appelle Anna. J'étais jalouse d'elle, parce qu'elle était trop tard de porte. Donc, il voulait la rendre folle. Pas faux. Je suis parti ici sa fille. Quand tu as gâté l'argent du père, le gendarme qui est ton oncle, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu allais gâter la vie de sa fille, Anna. Allons-y. Elle était forte à l'école, elle était jaloux. Mm-hmm. Donc avec son intelligence, il a pris pour mettre la canarie. Ah, l'intelligence de Anna. Mm-hmm. Et comment tu t'es arrangé à prendre son intelligence, à mettre dans le canari? C'est la nuit quand elle dormait. Mm-hmm. Je suis sorti de mon corps. J'ai fait échapper l'air. Et puis il a appelé son esprit. Trois fois, et puis c'est venu. On se lève pour les pieds, nous sommes dans le canari. Il y a des présents. On s'enferme, ça se mérite la nuit. Ouais. Et puis après encore, il m'envoie chez moi, chez ma tante. Et la fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? La fille, à l'école, elle se bat bien le cou. Ah, donc tu as gâté son intelligence. Vous voyez, on l'envoie à la maison, le monsieur. Il ne sait pas qu'il est sorcier. Voici les dégâts dans la maison. Mmh. Allons-y. Donc, après, il m'envoie. Parle fort. Il m'envoie chez ma tante. Donc, comment tu te retrouves? Tu as critiqué chez ton oncle? Non, il y a une femme qui était à l'église céleste. C'est elle qui m'a dévoilé pour dire que je suis sorcier. Ah, d'accord. Donc, c'est ça aussi parti. Tiens, l'autre. Je suis parti chez mon oncle.